Hey Clem, alors c'était bien le Edu Action 2? Bah ouais, c'était cool. On s'est bien amusé, on a mélangé 50% de profs, 50% d'élèves, on a secoué une après-midi. Et ça a donné... 3, 2, 1, jump it in, good job, move back, I'm sorry. Yeah! Non, en fait, retourner les choses, c'est-à-dire que d'habitude, les élèves ont des problèmes et vont le demander au professeur. Et là, on était dans la situation inverse, puisqu'on était des enseignants avec un problème et qu'on a demandé conseil à des élèves. On vient de présenter un projet qui s'appelle... Le monde des mathématiques. Le monde des mathématiques. Alors, le monde des mathématiques, c'est des petits groupes d'élèves qui sont un centre d'intérêt commun, mais qui ne sont pas regroupés par niveau. Il fallait résoudre une équation, ensuite il fallait faire dessiner des pyramides, voilà. Alors, donc ce projet, ça fait les différentes manières d'apprendre. Alors, on n'a pas de cours, pas de cours magistraux et pas de lecture. Ça va être tout audiovisuel avec des expériences énormément basées sur la discussion. En amont, quand vous préparez avec eux l'aventure, et ensuite quand les groupes vont devoir participer à l'aventure, les autres élèves, et voilà. D'autres avantages. Nous, enseignants, on est dans nos contraintes quotidiennes. Ouais. On est dans tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, ou qu'on ne peut pas faire, ou qu'on ne se sent pas autorisé à faire. Et là, les nouveaux étudiants, ils donnent toutes leurs idées, et après, à nous de voir ce qui sera réalisable ou non. C'est quoi le tweet de Carnapac? Alors le tweet de Carnapac, c'est qui allie mode, déchets et fête. Voilà. Merci. Merci, et le tweet c'est... Le tweet c'est le développement durable à travers la cuisine. Merci. Et le tweet... Donc le tweet c'est une classe de lycée qui va à la rencontre d'un vigneron faire des recommandations sur les 4 piliers du développement durable. Super. Merci. Que vous allez faire un class test du coup, qui est un des class tests qui ont été conçus. Alors là maintenant il faut que tout ça repose et mature un petit peu, donc je suis repartie chez moi avec les posters, les post-it, les textes, je vais regarder à tout reposer les vidéos quand elles seront complètement finalisées, et je vais essayer à partir de tout ça de créer un scénario pédagogique viable, et après on verra comment on peut le tester, mais l'objectif c'est que ça serve. Et donc la conclusion, c'est que la dernière fois, on a dit qu'on allait y arriver. Au premier Edu Action, on s'est dit qu'on avait un chouette projet d'acquisition et qu'on y arriverait. Et on est en train de le faire.